Est-ce que vous êtes prêts? Parce que oui, on l'est tous ici. Salut à tous, sous nos yeux, on en profite, c'est Saint James Park, quelle ambiance exceptionnelle. Omar Da Fonseca avec moi, Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match. Ça va être un plaisir de vivre ce match important. Newcastle affronte la France. Et oui, on est là pour discuter, crier, applaudir, c'est ça le football. Le football, sa parole, c'est pas du football. Un œil sur la compo de cette formation. Dans le but, on retrouve Nick Pope. Sandro Tonali sera accompagné de Bruno Guimarães au milieu de terrain. Et pour conclure, c'est donc un trio offensif. Les titulaires côté français, les voilà. Dans le but, c'est Mike Maignan. Adrien Rabiot sera associé à Tchouaméni au milieu de terrain. Avec enfin Kylian Mbappé pour occuper l'attaque aux côtés d'Olivier Giroud. Et le ballon change de propriétaire. Joe Wellington, ballon Tonali. Tonali reçoit le ballon. Voilà la perte de balle de Théo Hernandez. Le ballon pour Kylian Mbappé. Bien défendu dans sa propre surface. Wellington avec le ballon, les Magpies pour tenter quelque chose. Ah, c'est bien fait, le centre en retrait. Arrêt exceptionnel, le ballon écarté juste devant le but. C'est une parade des classes internationales. Tonali. Ah, bonne circulation là pour déstabiliser la défense. Pas de faute, c'est bien défendu. Nkunku, et ça arrive sur Mbappé. Aurélien Tchouaméni, et c'est encore pour Mbappé. À la réception, Nkunku. En excellente position. Et oui, le danger qui est écarté. Bruno Guimarães. Trippier. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. Bruno Guimarães. Ah, l'intervention éloigne le danger. Face à face avec le gardien. Oh, l'intervention, Mike Maignan. Aurélien Tchouaméni. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et le ballon est finalement intercepté. Voilà, pour essayer de faire quelque chose de ce ballon. Et non, Tchouaméni qui va perdre la balle. Il y a du soutien en attaque. Mbappé. Encore une fois, c'est un ballon perdu. Guimarães. Tonali. Le bon centre là peut-être. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe.
transmission coupée par Botman. Joe Wellington. Newcastle tente de construire. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Christopher Nkunku. Sur l'aile, Nkunku, il a de la liberté. Attention à ce ballon. Et voilà, c'est le but pour faire la course en tête et pour terrasser l'adversaire. Et donc on va en rester là, c'est la fin. La deuxième période qui commence, Newcastle est toujours mené d'un but. Attention à ce ballon, donné dans la profondeur. Ousmane Dembélé avec le ballon. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Voilà, là, 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 Christopher Nkunku. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Sven Botman. C'est récupéré ça. Giroud. Joe Wellington. Joe Wellington. Tonali reçoit le ballon. Il s'est contré par Koundé. Léger frémissement dans le public avec ce corner. Un but maintenant permettrait de se remettre dans le match. L'intervention du gardien. Ballon pour Kieran Trippier. Le ballon pour Isak. L'occasion de revenir. Très bon geste défensif. C'était risqué. Ah, le contre est possible. La contre-attaque était bien partie, mais finalement, ça ne donne rien de bon. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. La balle est interceptée. Encore un ballon perdu. L'arbitre laisse l'avantage. Ballon pour Alexander Isak. Ouh, la faute en position de dernier défenseur. Ça pourrait valoir un rouge. Eh oui, car son rouge, il n'y a vraiment pas de quoi hésiter là-dessus. C'était une occasion nette. Eh oui, occasion nette. Faute grossière et donc exclusion. C'est tout à fait logique. Et ils se pousseront. Atterrit dans les gants, c'est sans difficulté pour le gardien. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et bien fait, attention à l'occasion. Et c'est le but, c'est au fond. Et c'est signé Mbappé. C'est ça le talent. Savoir briller à tout moment, se rendre indispensable, indiscutable, irremplaçable. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Pas mal le dribble. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ah, dommage, ballon perdu. Olivier Giroud. Ah, il faut bien négocier ce ballon.
Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Elle s'est bien donnée dans la profondeur. Et le gardien avait bien anticipé ce ballon en profondeur. Et voilà un ballon qui est intercepté. Ouais, très bien défendu. Elle s'est dégagée. En touche. Jules Koundé. Kolo Muani. Ah, ça arrive sur Mbappé. Et ça a l'air bien dosé ça. Eh non, ça trouve pas le partenaire. Le ballon est repris par l'adversaire. Ah, Konaté là qui perd le ballon. Griezmann. Et ce ballon est finalement intercepté. Théo Hernandez avec le ballon. Et oui, avec Mbappé. C'est un ballon de contre à jouer. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Attention, grosse occasion. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Et au final, ça ne donne rien. Bien. Et voilà le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et c'est une victoire pour l'équipe de France. Même si ça n'a pas toujours été facile, c'est une victoire toute en autorité.